Ça fait 31 ans depuis volonté peuple haïtien pour gagner démocratie, pour participer dans l'élection libre, honnête et démocratique à Prambaf. 29 novembre 1987, tout peuple haïtien connaît à bulletin en main. Ils ont été massacrés en pile compatriotes qui ont cherché liberté d'expression, qui ont cherché démocratie. 31 ans après, la bataille a continué. Mais malheureusement, devant indifférence, classe moyenne, devant indifférence élite, chaque jour plus, classe possédante, chaque jour plus, il a enfoncé le pays dans l'anarchie, il a enfoncé le pays dans l'inégalité. Il y a enfoncé le pays à côté que le peuple haïtien n'est pas capable de vivre. Tout le monde constate que chaque jour plus, c'est monter l'insécurité à monter plus. C'est monter les actes assassinats à monter plus. Puis près de nous, là, 13 à 14 novembre dans la nuit, il y a un massacre qui fait dans la Saline, sans nous pas oublier l'autre exécution qui fait sous population qui a revendiqué droit. Nous tendons nous nos périodes côté peuple la campé après les contre la corruption. Ce n'est pas deux mondes qui tombent déjà en vent pour nous capables de vivre dans le procès Petro-Caribéa. Nous songeons comment Pessimo Limour. Nous songeons comment 17 octobre, des millions d'Haïtiens qui prennent la rue. Malheureusement, des mondes sans foi ni loi, des mondes que la police dit qui habillent, directeur de la police là dit qu'il ne reconnaît pas, des mondes qui habillent avec uniforme la police, ils ont tué environ 10 mondes dans la manifestation 17 octobre 2018. Pendant l'enterrement de mondes, ils n'ont pas manqué, ils ont vu tout le monde encore, ils ont vu tirer sur le monde, ils ont baillé gaz dans l'église perpétuelle. Là, nous considérons tout ça, à toute indifférence, élite pays d'Haïti, fait devant assassinat qu'a fait, et tout le monde reconnaît le massacre qui fait dans la Saline, dans la nuit 13 pour arriver 14 novembre, il dépassait le massacre qui fait ici, à côté de nous, et commémorer l'esprit et l'esprit, camarades, nous, compatriotes, nous, qui étaient tombés. Nous disons bataille pour démocratie à pas camper dans route. Bataille pour liberté d'expression à pas camper dans route. Bataille pour mieux être là pas camper dans route. Bataille papa de Saline t'a mené pour dire tout le monde c'est monde tout haïtien doit vivre dans pays le temps pour monde. Bataille là pas camper dans route. C'est comme ça. Nous disons peuple haïtien n'a vivre dans une précarité, c'est vrai. Continuez à ravitailler parce que bataille là a continué. Nous avons des dates qui devant nous là, que nous pas qu'à manquer. Nous avons 5 décembre, nous dit qu'ils ont découvert Haïti. Colon a dit qu'ils ont découvert Haïti. Nous avons 8 décembre, qui c'est la date côté Yopral, qui toujours qui marche pour Maman Perpétuelle. Nous connaissons Maman Perpétuelle, c'est Maman Peuple Haïtien. Tout fidèle pays d'Haïti, tout le monde dans le pays d'Haïti prend la rue à la possession pour nous dire Maman Perpétuelle, délivrez-nous, délivrez le pays d'Haïti. Nous gagnons 9 décembre, qui est la journée internationale contre la corruption. Tout le peuple haïtien va continuer à revendiquer. Si il y a corruption dans le pays, haïtien pas ka, ça fait haïtien pas qu'à manger. Ça fait que nous ne pas qu'à l'école. Ça fait nous pas de logements sociaux. Ça fait l'État, pas qu'à l'État au service de la population, mais au service de l'anti-groupe. Nous gagnons plus près de nous encore date 16 décembre. Ça veut dire, le peuple haïtien, pendant que nous ravitaillé, tout le peuple haïtien connaît, date ça, il n'y a pas négligé. N'a pas avancé jour dans bout parce que la mobilisation, même dans l'autre pays fait, il a qualifié Haïtien de barbare parce qu'on a revendiqué droit, mais là la France fait. Mounio a un problème. Si la France fait, côté Mounio a accès à l'électricité, à l'eau potable, il a accès à un bon bagage, il a revendiqué pour droit, comme nous-mêmes en Haïti, nous sommes des 53 manquants de tout, nous pas gagnés, nous pas accès à aucun service, ça veut dire. Plus que jamais, peuple haïtien mobilisé pour continuer à défendre. En avant vers la victoire, que 100 compatriotes nous ont quitté tombés. 29 novembre 1987. Et 100 compatriotes nous ont continué à tomber toujours. Que 100 n'ont pas coulé en vain. Hasta la victoria.